mint az óriás. Jónak látszó tett is lehet bálvány imádás. Nap mint nap újabb ellenség jön, készülj a harcra. Isten minden fegyverzetét ölts fel magadra. Jó barátom, van hitet győzi minden bűn felett. Ellenállni, ha a világ csalogatja szívedet. Van erő, ha tudod-e, hogy csak is Jézus Krisztusban, aki rám is sose veszít, mindig győztes a harcban. Ennyi a refrén ugyanaz, jó? Próbáljuk meg együtt, lányok, hangosabban, akkor mindenki menetelőszer. De még itt a figyú, az ennyi forduljon, a másik meg ide, hogy látszik, hogy is, jó? Hátra álljatok, jó? De ne! Az egyik hátal ide, a másik meg hátal ide. Egymásnak hátal. Jó, na kezdjük. Dávid egykor, mint pásztor fiú, indult a harcba. Fegyverzeten nem volt egyéb, mint bot és parittya. Tarisznyájában öt sima kő, mégsem félt szíve. Páncélruhás Góliátot nyomban legyőzte. Jó barátom, ha te hitet győzi minden bűn felett. Ellenállni, ha a világ csalogatja szívedet. Van erő, van, tudod-e, hogy csak is Jézus Krisztusban, aki rám is sose veszít, mindig győztes a harcban. Kis dolgok, mikor nagyra nőnek, mint az óriás. Jónak látszó tett is lehet bálványimádás. Nap mint nap újabb ellenség jön, készülj a harcra. Isten minden fegyverzetét ölts fel magadra. Jó barátom, van egy hitet, győzi minden bűn felett. Ellenállni, ha a világ csalogatja szívedet. Van erő, ha tudod-e, hogy csak is Jézus Krisztusban, aki rán is sose veszik, mindig győztes a harcban. Minek én? Szemüvegben kihányod a beletet, majd ha nézek. Azt majd meg én járt. Én majd hát, ha hányom. Az biztos. Hallod? De azt majd meg, ugyanazt látod, ez nem vesz fel hangot, igaz? De jó. Ez vesz fel hangot? Vesz, persze. Ez veszi a hangot. És amúgy azt majd VR headsetbe. VR headsetbe. Az igen. VR. Olyan, te itt ülnél és nézel ide, oda így aztán. VR, ez virtual reality. Headset, head, headset. Na, akkor jó van, akkor jó. Akkor megyünk tovább. Absolument fou.
il pouvait toujours tirer les chariots de la terre boueuse, comme vous pouvez voir encore aujourd'hui. C'était un peu pareil avant la régulation au cours du 19e siècle. La viande de ce place ne contient pas beaucoup de cholestérol. Now our riders are approaching, and soon you will see how well they can handle their horses and also their whips. Voici les cavaliers de Banco Busta, les chicos Banco Busta, qui nous accueillent avec, qui nous saluent avec leur fouet. And on the left hand side is the star of our program, our little donkey. Csikósaink, akik közül néhányan szörénülik meg a lovak, és természetesen nem szabad megfeledkeznünk a juhászról, a szamáron. Permettez-moi de vous présenter la vedette de notre spectacle. Il s'agit de cavalier qui s'appelle Gigo, qui se trouve sur le dos d'âne, et l'âne s'appelle en français Goudron. These riders are called in Hungarian Csikós. Csikó means foal, so little horse. The name comes from the fact that their duty was to look after the horses outside on the field. Majd meglátjuk, hogy milyen sokféleképpen lehet használni az ostort, mindenesetre a karikás ostor négy részből áll, van a nyele. A nyél és a hosszú rész között van egy karika, egy vaskarika, és a hosszú rész végén van a sudár nevű rész, ami ezt a hangot kiadja. Pour continuer, on va voir quelques postures, quelques positions. And at first you will see something special. The horses are being laid to their sides. It's something they normally don't do, but in summer times it was a kind of survival technique. When they would chase their followers, they would hide in tall grass this way. Maintenant, les chevaux sont couchés par terre. À l'aide de cette position, c'est impossible de se cacher à l'arrivée de la police autrefois. Étant donné que les ancêtres des cavaliers ont été poursuivis par des gendarmes, à l'aide de cette posture, ils pouvaient se retirer, se cacher dans l'herbe. Et maintenant, vous pouvez voir la sieste de la posta hongroise. Après avoir bu un petit coup d'eau de vie, on pouvait utiliser son cheval comme une sorte de lit. Now it's something special again. The horses are sitting like normal dogs do. Quelque chose d'intéressant. Vous voyez maintenant la position de chien. C'est une position tout à fait inhabituelle pour les chevaux.
Et on peut utiliser son cheval non seulement comme un lit, mais aussi comme un fauteuil. Et c'est ça que vous pouvez voir maintenant. On the right hand side, you can see very good sphere of the so even figures were carried into the arena. And the task is for the riders to hit these wooden figures with their ribs if it's possible then at high speed. Láthatjuk, hogy van három padarab kabából, és a csikósoknak az ostorok hegyével kell előzni ezeket a kabábokat. Nem, hogy nem könnyű, nem tűnik egyáltalán a kocsikusok. És fegyver helyett az ostorok hegyével fogták meg a kis állatokat, nyúlokat, bárságokat, foglyokat, stb. Merci pour vos applaudissements, étant donné que ce jeu est tout à fait difficile, on va être heureux de vos applaudissements parce que les cavaliers ont besoin d'être encouragés par vos applaudissements. Merci beaucoup. On peut lutter, on peut ce n'est pas une évidence de pouvoir faire tomber toute l'équipe parce que c'est une tâche bien difficile. Of course, it looks easy, but it's not easy to do this task. But it's said that really good riders were able to catch small animals like hares this way. Pour ce qu'on peut voir maintenant, c'est la chasse au lièvre, c'est la chasse au faisan, parce que la seule arme des cavaliers dans le passé a été le fouet. Il n'y avait aucun pistolet, parce que les pistolets ont été bien chers et ils n'étaient pas du tout accessibles dans le passé, et c'est la raison pour laquelle que les cavaliers utilisaient le fouet pour chasser. Vous avez vu le premier jeu d'adresse et on va tout de suite continuer. Et voici le deuxième jeu qui est en train de commencer. Alors, comme vous voyez, les cavaliers auront la possibilité de recevoir, d'obtenir quelques verres qui sont remplis soit de jus de pomme, soit de vin, ça dépend. Alors, il faut faire tout de suite un tour de piste. Et celui qui va revenir premier sera le vainqueur de ce jeu. Alors, regardez Igor, le cavalier, le jeune apprenti sur le dos d'âne, qui suit une autre stratégie. Comme il est malin. You can see how smart the donkey really is, so I did not say how big the circle should be. Hello. You can celebrate your vehicle.
un peu de stimulation aussi, un tour, n'est-ce pas? Tous ces jeux ont été organisés par le passé le lundi de Pâques, le lundi de Pâques surtout, excusez-moi, le lundi de Pentecôte, ce n'était pas le lundi de Pâques, c'était plutôt le lundi de Pentecôte, parce que le but de cette compétition a été de pouvoir choisir le meilleur cavalier, le cavalier le plus habile, ce qui a reçu un titre, notamment le titre du roi de la Pentecôte. Et avec ce titre, il y avait quelques avantages. Par exemple, le meilleur cavalier, le cavalier le plus habile pouvait boire gratuitement dans la chambre, dans l'auberge traditionnelle, et il pouvait faire la cour au plus d'habile. Et on l'a invité pour fêter le mariage aussi, pour toutes les fêtes de mariage. C'était le privilège du meilleur cavalier, ce qui a été le cavalier qui portait le titre du roi de la Pentecôte. Il ne faut pas oublier Gigon, notre cavalier sur le dos d'âne, qui attend son tour. De jupe culotte, ce qui a été bien agréable à porter, surtout dans la chaleur en été. Donc c'est une jupe culotte. Regardez notre cavalier Giron qui a le vainqueur. De nouveau. Et vous, regardez le moment de la récompense. So we have the winner. Hogy
Alors, la récompense a été deux bisous de la part de la fille et le chapeau. Un grand merci. Et on continue en vous présentant le chariot paysan, l'attelage à trois chevaux. It comes from the Hungarian, because the Hungarian village coach, where similar carriages were constructed for the first time in the whole world, and the name of this town or village gave rise to the English word, but also in other languages, in German word, which also, so in other languages too, so it comes from the name of the Hungarian village. On pouvait livrer des marchandises à l'aide de cet attelage. Il n'y avait qu'un seul inconvénient, notamment il n'y a malheureusement aucune suspension. Ça va devenir tout à fait noble maintenant, ça va devenir majestueux. Regardez à ça. Attelage à 4. So, ladies and gentlemen, the third carriage is coming. This carriage and similar carriages were the property of rich families, noble people, for example, the Archbishop of Polota. And it was very important that the horses match in color and size. This way they could show how rich they really were. La même taille, la même couleur et la même race au niveau des chevaux. Alors les chevaux devaient être du même gabarit parce que c'était un symbole de statut social également. Et vous pouvez voir non seulement un seul cocher, vous pouvez voir aussi le deuxième cocher qui pouvait remplacer le premier cocher en cas de nécessité. Et surtout, le deuxième cocher a aussi joue un rôle beaucoup plus important, surtout à grande vitesse dans le virage. C'est lui qui doit maintenir l'équilibre de l'attelage. And nowadays such carriages are used to take part in competitions, for example world championships. The Hungarian riders have always been good at these competitions. They have won several world champion titles. And the rider in the back has several duties or tasks during these competitions. For example, he has to balance the carriage with his own weight when they are turning at high speed. C'est l'attraction principale du spectacle, c'est la fameuse post-ambulance. Now you can see the highlight of the peak of our show, the so-called Pusta post-ambulance. Alors, c'est le moment fort du spectacle d'aujourd'hui. C'est une acrobatie périlleuse, messieurs, dames. C'est un
exploit, un véritable exploit équestre. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas du tout une évidence de pouvoir admirer une telle attraction. Parce que normalement, la poste hongroise se fait avec 5 chevaux. Mais c'est ici, à Borkustok, que vous avez la possibilité d'admirer cet exercice avec 10 chevaux. Alors, c'est le fameux 10 en main, surnommé, qui s'appelle aussi Attelage Court, qui a été surnommé d'après le nom d'empeintre autrichien, d'après le nom de M. Rudolf, qui a été empeintre autrichien, qui a aimé non seulement les paysages hongrois, les beaux paysages hongrois, mais aussi les chevaux hongrois. Et c'était lui, le peintre autrichien, M. Rudolf, qui a réalisé une peinture qui est devenue célèbre, qui est devenue connue ici en Hongrie. Et c'était M. Béla-Léna qui a pensé, qui a vu la peinture de M. Ludwig Kopp et qui a dit que je voudrais faire la même chose. Donc c'était lui qui a réalisé cet exercice. So, as you can see, it's called Pustatan of Kopp 10. The history of it, so Kopp 10, Kopp Ludwig Kopp was an Austrian painter, and he spent some time here in Hungary, also in the 40s, and one night he had a similar dream like here, but not with 10, only with 5 horses, not a rider standing on the back of the 2 real horses. He made a painting of his dream, and he took it to an exhibition where Hungarian riders saw it, and they decided that they will make it come true. And the first rider who could do this task was a Hungarian called Béla Lénárd in 1953. Van egy történet is, amikor volt egy Ludwig Kopp nevű osztrák kastőr, aki nagyon szerette a lovakat, illetve az első világháborúban rengeteg képeslapot rajzolt, illetve festett, főleg lovakról, és volt egyszer egy álma, ahol egy hasonló jelenetet festett meg, illetve látott, és 5 lóval. Na most ezt meglátták a magyar csikósok, az egyikük a Lénárd Béla volt, aki elhatározta, hogy ezt megvalósít, egy 1950-ben sikerült is neki. A lovas csizmája alatt szivacs darabok vannak, egyrészt azért, hogy meg tudjon maradni állva, a másrészt, hogy ne sértse meg a lovak hátát. És nagyon sokat kell gyakorolni, tökéletes összhangnak kell lenni a ló és a lovak között, tehát a lovas és a lovak között, illetve pátornak is kell lenni, tökéletes egyensúlyérzékkel, végtagokkal kell rendelkezni. Amint láthatjuk, nem használ osztor, csak a hangjával kiáltva utasítja a lovakat. Le cavalier tient les rênes en main et le cavalier se tient debout sur la croupe des deux derniers chevaux et c'est bien difficile de réaliser tout cela. Ça, c'est un véritable art, il faut dire, un art équestre. On peut lancer les chevaux au galop. Et voici la grande finale maintenant, avec tous les participants. Thank you.
Messieurs-dames, c'était notre spectacle. J'espère que le spectacle vous a bien plu. Alors, le séjour, votre séjour n'est pas encore terminé ici à Bottegusto. Voici quelques informations bien utiles et pratiques. Si vous avez besoin des toilettes, vous en trouverez quelques-unes à gauche où il y a une lampe qui est illuminée, qui nous montre où se trouvent les toilettes. À part ça, on va continuer avec une...